Les séances de tapping fonctionnent à merveille pour libérer les émotions négatives, les malaises et les blocages. Qu'est-ce que l'EFT EFT est un acronyme anglais qui signifie Emotional Freedom Techniques, qui se traduit par Technique de libération émotionnelle. Gary Craig est le fondateur de l'EFT. Ingénieur de l'université de Stanford aux États-Unis et grand passionné de psychologie, il s'intéresse à toutes les méthodes de psychologie qui produisent des résultats. Il entend parler de la TFT, ou Thérapie par les champs de pensée, qui est une technique de libération des émotions, développée par le docteur Roger Callahan dans les années 80 aux États-Unis, qui est pratiquée par un thérapeute. Gary Gregg développe à son tour le l'EFT, qu'il mettra en pratique à partir de 1991. Cette méthode se base sur l'utilisation de principes psychothérapeutiques associés à des tapotements sur des méridiens. C'est une forme d'acupuncture sans aiguille. Ces tapotements permettent à la circulation énergétique de se rétablir dans le corps, engendrant ainsi la libération de l'émotion négative qui était bloquée. Cette technique est très simple. Il s'agit de tapoter doucement des points énergétiques spécifiques précis. Avec le bout de l'index et du majeur, tout en se centrant sur une émotion négative. Tu peux utiliser la main droite ou gauche et tapoter sur le côté droit ou gauche du corps et même changer de main en cours de séance, en fonction de ce qui te convient le mieux. Pratique entre 5 et 10 tapotements sur chaque point, mais sans les compter. Voici les différents points de tapping le point karaté. Sur la tranche de la main, le haut de la tête, le début du sourcil, du côté du nez, le coin de l'œil, sur l'os de l'orbite, sous l'œil, sous le nez, sous la bouche, au creux du menton, sous la clavicule, sous le bras, environ 10 cm sous l'aisselle et sous le sein. Une série complète s'appelle une ronde. Une séance se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, prévois une bouteille d'eau ainsi qu'une feuille et un stylo. Sur cette feuille, tu vas noter deux choses. L'intensité de ton émotion. Attribue-lui une note sur une échelle de 0 à 10. Et également l'endroit de ton corps où tu ressens ce malaise. Et le type de sensation. Par exemple, le ventre noué, la poitrine serrée, etc. Pour cette vidéo d'explication, note l'intensité de tes doutes concernant l'efficacité de l'EFT. L'idéal est de pratiquer les yeux fermés, mais pour cette première séance, tu peux si besoin garder les yeux ouverts pour te familiariser avec les différents points de tapping que tu verras sur l'écran. Je vais te guider pas à pas. Je te dirai l'endroit où tapoter et des phrases que tu répéteras à haute voix ou bien dans ta tête. Si certains mots ne te parlent pas, tu peux les remplacer par des mots qui sont plus justes pour toi. Et voilà, c'est parti pour le tapping de préparation qui te permettra de familiariser ton inconscient à cette technique. Début de la séance. Point karaté. Même si je ne connais pas cette méthode qu'est l'EFT, je choisis de m'accepter et de m'aimer totalement tel que je suis. Point karaté. Même si je ne comprends pas comment ça peut fonctionner, je choisis de m'accepter et de m'aimer totalement tel que je suis. Point karaté. Même si je trouve cette méthode vraiment bizarre et que j'ai du mal à croire que ça puisse m'aider, je choisis de m'accepter et de m'aimer totalement tel que je suis. Haut de la tête. Je trouve cette pratique vraiment bizarre. Début du sourcil. Ça me semble irrationnel. Coin de l'œil. Comment cette méthode pourrait-elle m'aider à me libérer de mes blocages Sous l'œil. Comment est-ce que je pourrais aller mieux juste en tapotant Sous le nez. Et pourtant, ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Sous la bouche. Et si ça pouvait m'aider moi aussi Sous la clavicule j'ai tellement besoin de me libérer Sous le bras, j'ai vraiment envie que ça marche Sous le sein et si c'était possible Au de la tête et si ça pouvait me libérer moi aussi. Début du sourcil. J'ai plusieurs blocages qui m'empêchent de m'épanouir. Coin de l'œil. J'ai tellement envie de changer. Sous l'œil. J'ai tellement envie d'aller mieux. Sous le nez. J'ai vraiment envie d'y arriver. Sous la bouche. Et si c'était plus facile que ce que je crois Sous la clavicule. Et si c'était le bon moment pour moi Sous le bras. Je lâche et je libère tous les blocages qui m'empêchent de m'épanouir. Sous le sein, je libère ma croyance que je ne suis pas capable d'y arriver. Au-delà de la tête, et si c'était vrai et que ça fonctionnait vraiment Début du sourcil. Et si c'était possible pour moi Coin de l'œil. J'ai vraiment envie de trouver une technique qui m'aide à aller mieux. Sous l'œil. Et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité que cette méthode Puisse fonctionner pour moi. Sous le nez, j'ai vraiment envie de me sentir mieux. Sous la bouche, j'ai vraiment envie d'en finir avec mes problèmes. Sous la clavicule. J'ai vraiment envie d'atteindre mes objectifs. Sous le bras. Je choisis de m'ouvrir à la possibilité de me libérer de mes freins. Sous le sein. Je me donne une chance d'expérimenter cette technique et de vérifier par moi-même si ça fonctionne ou pas. Point karaté. Je me sens de mieux en mieux. Point karaté va de mieux en mieux pour moi à tout point de vue. Inspire et expire doucement et profondément. Bois un verre d'eau et reprends ta feuille. Prends le temps d'écouter ton ressenti. Compare avec la note que tu avais notée avant ce tapping. L'intensité de ton émotion a-t-elle changé Inscris la nouvelle note que tu attribues à l'émotion travaillée lors de la séance. Il suffit ensuite de répéter la vidéo dédiée à une émotion autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu atteignes une note de 1 ou mieux encore 0, l'idéal étant pendant 21 jours consécutifs.